semble que des instructions aient été données aux policiers français d'interdire le drapeau palestinien lors des événements liés aux Jeux Olympiques à Paris, alors que les drapeaux des autres pays sont acceptés. Regardez cet échange entre la police française et un manifestant. On a des ordres, je les applique. Filmez, filmez, ils vont nous arrêter, filmez. Monsieur, vous n'exhibez pas le drapeau. Vous n'exhibez pas le drapeau. Mais moi je vous dis que vous n'avez pas le droit de faire plein de trappes. D'accord, d'accord. De façon ici. Non, non. Nous on a des ordres. Salut, d'accord. Salut, monsieur. Je vous dis pas. Monsieur, nous on a des ordres. Nous on a des ordres. On a des ordres, monsieur. Et nous on a une délégation. Non, mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'exhiber le drapeau. On a des ordres, je les applique, d'accord. C'est un ordre qui est illégal. C'est un ordre, monsieur. Illégal. Moi ça m'en condamne, je l'applique, d'accord. Non. C'est quoi, qu'est-ce qui vous dérange qui rentre un drapeau ça? Cette réaction des autorités françaises n'est pas surprenante. D'ailleurs, le président français, Emmanuel Macron, a déclaré, au sujet du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qu'il serait évidemment le bienvenu, s'il comptait se rendre en France pour les Jeux Olympiques de Paris.